Je m'installe avec mon thé. Yo l'ami, bien. Wow, t'as levé un truc de ouf là. C'est sûr que tu m'entends. C'est sûr, on entend. Ivan, arrête de crier! On t'entend! Désolé. On fait l'intro? Ouais. Little baby in a bag in a Birkin. No, none of that but the work. Yo l'ami. On espère que vous allez bien. Tranquille. 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 Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on a trop kiffé le concept de la dernière fois, le tu préfères, et sur Instagram, c'est vous qui nous proposiez des choix. Yes. Et donc, on a décidé de le refaire, mais cette fois avec la dernière fois qu'on a j'ai. Oh my god! Toi là, s'il te plaît, donne-moi, on se regarde, arrête de faire malin, abonne-toi. Non, vas-y, on coupe. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous dire si vous avez d'autres idées de concepts comme ça. Vous voilà. Avez allumé sur les questions. On a dû faire un choix parce qu'elle a des questions, c'était un peu trop. Donc moi j'ai pris mon petit thé, on va répondre tranquillement. Bah, nous trois, nous deux et toi qui regardes dans mon sang. La dernière fois que j'ai, enfin du coup, qu'on a mangé au resto. La dernière fois qu'on a mangé au resto, c'était juste avant le confinement. Très bien, le confinement, c'est sûr que ça date un peu. C'était à pas si longtemps que ça parce que... Ils avaient annoncé le confinement et il nous restait en gros un jour de liberté avant que tout soit fermé. Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas aller avec nos potes. Et du coup, on est allé au restaurant le jour juste avant le confinement. La deuxième question, tout simplement, ça va être la dernière fois qu'on a dormi séparément. Oh. Alors là. Alors là, quand on est le coronavirus. Ah, bien joué. C'est marrant parce que on était dans la même maison. Bien joué, bien joué. Mais c'était pendant le coronavirus, on a dû dormir séparément. Ouais, j'ai le Covid en premier. Donc au final, en fait, on est tous les deux coronavirus. C'est ça, ouais, j'ai le Covid en premier. J'étais confiné dans notre chambre. Et elle a eu une semaine peut-être après moi, elle était confinée dans notre chambre. Bah, j'ai été testée positive une semaine après, mais en soi, je peux plus. Yes. Mais attends, sinon, quand est-ce qu'on a dormi séparément? À part, ouais, à part ça. Je pense que ça fait déjà un an. Minimum que tous les jours on dort ensemble. Oh, attends, il n'y a même pas une fois où t'es parti. Non. C'est février. C'est février. Ouais, c'est février qu'on n'a pas dormi ensemble. Ouais, ça fait depuis février. Deux, la dernière fois qu'on a dormi séparément, c'était février. C'est ça. Début en plus. Hein. Début février. C'est début février. Attends, ouais. Attends, ça fait combien de mois là? On est le novembre, c'est le 11. Ça février, c'est 2. 10 mois. Ça fait 9 mois. 9 mois. Ouais, 9 mois. 9 mois et demi, 10 mois. C'est beaucoup quand même. Ah ouais. Alors c'est quand la dernière fois qu'on a fait la teuf? Avant j'étais un fêtard, hein, sans étudiante, tout ça. Quand j'étais pas Ivan. Après maintenant. Moi aussi j'étais une fêtarde. Hein. Ouais, toi aussi t'es une fêtarde. Moi je sortais en boîte hein, Non, je suis sortie une fois. Une fois avec ma cousine. Mmh. Et une fois à mon anniversaire. Bah, cette année. T'es parti en boîte? On est parti en boîte là même. Ah, mais j'étais là! Ben oui, wesh! Eh, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, franchement, jamais je le referai d'aller en boîte avec ma copine. Là, aller en boîte avec votre copain ou votre copine. La dernière fois qu'on a menti, je vais laisser Vanna commenter parce que moi, je vais réfléchir comment je vais pouvoir tourner ça là. Alors là, les gars. Adrien, c'est un menteur. Je me prépare à ce que tu vas me dire. Vas-y, non, commence, vas-y, commence, dis. Moi, la dernière fois que j'ai menti. Attends, la question c'est la dernière fois qu'on a menti, pas qu'on a menti à l'autre. Ouais, qu'on a menti, mais moi c'est à toi que j'ai menti la dernière fois sans faire exprès. So, ok, maintenant, je vais répondre après, on va voir. La dernière fois que j'ai menti... La dernière fois que j'ai menti, que j'ai vraiment menti, c'était pour l'anniversaire d'une pote, de ma sœur. Et on devait les préparer à son cadeau et du coup bah j'ai dû le mettre. Il prenait le mensonge. Tu connais nous. Moi en vrai franchement je mange jamais. Et là, tout à l'heure en fait je me suis dit c'est pour la bonne cause, pour pas que mes oreilles sifflent. Ah ya ya, pourquoi t'as fait ça? J'étais quoi? Elle déteste que je mette mon argent n'importe où, en mode que je mette dans des points FIFA. Non, et y'a mettre de l'argent et mettre de l'argent. Si tu mets de l'argent dans les points FIFA, je peux comprendre. C'est leur délire et tout. Mais lui, c'est trop. Lui, c'est trop. Il sait pas contrôler. C'est l'argent qu'il contrôle. Attends. Et en gros, tout à l'heure, j'allume FIFA. Et je vois, il y a des packs dans la boutique. Ah donc, t'as menti? Ouais, c'était juste à l'heure, là. Vous voyez, quand je vous dis, c'est un menteur. On lui parle de la dernière fois. C'était même pas une heure qu'il a menti. Que ça
ça montre comment c'est un menteur. Ouais, d'habitude, j'aime pas. Quand je dis pas quelque chose à Vanna, tu vois, après, je me sens coupable. Je me dis, non, je suis obligé de lui dire, sinon, je vais te. Dans ma tête, je vais pas être bien. Je vais me dire, putain, je lui ai pas dit, mais si, mais c'est dans un mensonge. Attends, là, mais c'est pour ça là, que t'étais. J'ai attendu ça depuis tout à l'heure, comme ça. Ah, là, mon âme, elle est soulagée. Là, j'ai tout dit. Tu vas faire quoi maintenant? La prochaine question. Ah, la dernière fois que j'ai boudé AD, ou que moi j'ai boudé Vanna. À toi l'honneur, à toi l'honneur. La dernière fois plutôt que j'ai boudé Vanna, moi je la boude pas. Mais si je devais dire une fois, vous savez, elle a une grosse voix. C'est-à-dire des fois quand tu es concentré dans un truc, tu crois qu'elle te parle mal et en fait juste elle te parle tranquille, t'as vu? Ah, c'est ma façon. Je l'ai mal pris, je me dis mais pourquoi tu parles comme ça? Et après elle disait mais je m'énerve pas de rien. Tu sais les gens quand ils disent mais je m'énerve. Mais je m'énerve pas là, qu'est-ce que tu racontes? Mais je m'énerve pas là, arrête de dire je m'énerve, ça m'énerve. Et après j'ai pu parler avec elle pendant une heure, ça m'a fait du bien. C'était là? Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai boudé Adrien. Ouais, elle fait trop la meuf qui réfléchit, wesh. Écoute, cite. La dernière fois, on devait regarder un film. Et je lui avais dit, je dois jouer avec des codes, c'est-à-dire, on regarde le film avant 23h. Elle m'a dit, ouais, c'est rien, j'ai un devoir à faire. Elle était toute l'après-midi sur son devoir. Et en gros, il est 22h, je lui demande, t'as bientôt fini et tout. Elle me dit, non, j'ai fini dans 15 minutes. Non, il était 21h, non, j'ai fini dans 15 minutes. J'attends. Je relance un match, t'as bientôt fini? Non, pas encore bébé, désolé. Ok, je relance un match. Je vois l'heure, tourne à 22h30, wesh. Je dis, lui, t'as fini, on peut regarder le film. Non, je suis encore sur mon devoir et tout. Bah, je lui dis, bah. Vous voyez comment je suis dégagé? Et elle, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bah, vas-y, non, vas-y, laisse, pas grave. Si tu veux, on le regarde demain. Ok? Alors, bah, moi, je lui dis, ok, vas-y, on regarde demain. Vous savez ce qu'elle me dit? Je respecte ce. Après, elle s'est dit, non, mais vas-y, de toute façon. Vas-y, les gens ils s'y tiennent pas leurs paroles. Non, mais vas-y, non. Et après, tu dis, vas-y, viens, regarde un film. Vas-y, viens, regarde un film. Et elle me fait, non, c'est bon, c'était tout à l'heure, je voulais, maintenant j'ai plus envie. Et wesh, elle était dans le lit à bouder, Vanna. J'étais même pas énervée, j'étais juste déçue. Parce qu'en fait, bon, vu que on est sur le sujet, en mode, Adrien joue à la veille tous les soirs. Tous les jours, tous les soirs. Moi, je suis pas là, je suis pas la meuf qui va lui demander à chaque fois, oh, viens, mon lit. Machin, mais juste ce soir-là, j'avais trop envie de regarder un film. S'il vous plaît, hein, je vais demander 2 jours avant quand même. J'ai fait exprès de pas prendre un jour où il est pas en fut champ, où il a pas des défis, où il a pas de draft. Alors, pour vous dire que moi je suis une bonne copine, et le gars, il commence à dire regarder un film à 23h, c'est tard. J'avoue. Mais frère, et jusqu'à 5h du matin à la play. J'avoue, franchement, merci, moi, j'avoue. Donc, moi, j'ai pas bougé. Un jour de repos. Mais alors, le pire, c'est quand c'est pas comme si je te demandais tout le temps. Voilà. Let's go. Next question. La dernière fois que j'ai voyagé. Oh, ça date. Un an. On était à Alicante en Espagne. Non, parce qu'après on était à Londres. On était faire les boutiques à Londres et tout. Ouais, c'était là-bas. La dernière fois que j'ai été jaloux. Ok, je réponds en premier parce qu'elle a une putain de checklist. Elle a une checklist, mon gars. Je réponds en premier. Ouais, c'est tout à l'heure un peu. Ah ouais? Tout à l'heure, parce qu'elle a dit. Vous voyez, on dit. Il y avait une question, c'était quel est votre crush celebrity, tout ça. Sur quoi? Je t'ai posé la question à temps. Ah ok. Et elle m'a répondu Kiss Power. Vous savez, Kiss Power, c'est un acteur. C'est un beau gosse. Mais en plus, il le savait. C'est un beau gosse. Mais le fait que je l'entende sortir ça de sa bouche, je sais pas, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Je pensais qu'elle allait dire, c'est toi mon cœur, c'est toi le plus beau, t'es la plus belle des célébrités. Non, Kiss Power. Moi là, la dernière fois que t'as été jalouse. C'est bah, on peut. Si, c'était là en vrai. Non, mais on va expliquer après. Là, non, on va faire 2 questions 1. Parce que la question là, elle est liée avec la prochaine. On va faire 2 questions. Ok, bah vas-y alors. Ok, la dernière fois que vous êtes battu, simple, on s'est battu quand? C'était hier. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, je vais vous ramener le truc. C'est pas ce que vous croyez. Hey, bref, de l'humour. Je vous jure, c'est pas de l'humour. Je vous jure, c'est pas de l'humour. Jure maintenant. Vas-y. Hier, j'arrive dans la chambre. Voilà, voilà, elle est allongée. Et j'arrive, j'ai envie de la taquiner un peu. Vous connaissez pas. Non, mais. Hey, je vais expliquer. Écoutez. Bref, j'arrive. Et c'est pas. J'arrive avec une figurine en main. Regardez, c'est elle la figurine. J'arrive dans la chambre. Et je dis à Vanna. Oh, regarde la figurine. Elle est trop BO2NE. Je la démarre. Ça, j'ai dit, oh, elle est trop BO2NE, je la démarre la tête. Et là, Vanna, wesh, elle commence à prendre ma tête, elle me prend une clé de bras, elle commence à dire, t'es sérieux là? Elle me court partout dans les autres, t'es sérieux là?
Elle course, elle court, elle court. Et je lui dis, regarde. Elle est vraiment courtée en plus. Elle est trop fraîche et tout. Oh, ouais, quand tu étais. Elle faisait des trucs. Elle est trop fraîche, elle est trop fraîche. Je faisais en mode, oh, elle est trop fraîche. Et là, Vanna, je sais pas comment, elle se relie, elle veut se battre avec moi, elle veut me faire des clés de bras, elle attrape mes bras, elle me fait des trucs de fou. Mais là, on se bat souvent. Mais c'est... En clair, on s'est battu pour. Pour ça. Ça. Voilà. C'est parce que j'ai été soi-disant jalouse. Et franchement, garçon comme fille, avouez que c'est. Sa mère. Vas-y toi, vas-y, question suivante. Ok. La dernière fois qu'on a pleuré ou pleuré de joie. La dernière fois qu'on a pleuré ou pleuré de joie. C'était pour une musique que j'ai entendue. C'est une musique de Shania Twain qui s'appelle From This Moment. Enfin, c'est une vieille chanson. Mais cette musique, à chaque fois que je l'écoute, je pleure. Et ma mère, elle l'avait mis à fond dans le salon. Moi, j'ai jamais pleuré de joie, c'est simple. Ok, alors elle a jamais pleuré de joie. J'ai jamais pleuré de joie. Une fois, j'avais les larmes aux yeux. Parce que, en gros, moi, j'étais sur Amiens. Et j'étais pas avec Vanna. C'était au début de notre relation. Et vous voyez, moi, j'ai toujours voulu faire les choses carrées avec Vanna. Être sérieux, toujours droit dans mes baskets. On était en fast time. Et tu m'avais dit quoi? Tu t'en souviens? Et même, ouais, un jour, tu pourrais me tromper et tout, toi, ça se trouve et tout. Gros. Parce qu'en fait, j'avais fait un rêve, enfin, un cauchemar, ouais. Où on me trompait. Et du coup, j'ai dit, de toute façon, je suis sûre que tu pourras me tromper. Et j'avoue, ça se fait pas ce que j'ai dit. Et du coup, bah, j'ai commencé à verser une larme et non, tout. Vous avez les yeux qui brillaient. Eh, j'assume, je suis un bonhomme, j'assume. J'avais des larmes. Pas des larmes. Ça a coulé, ouais. Ça a pas coulé. Si je l'ai vu en FaceTime. En mais fait, j'étais triste. J'avoue, j'ai été triste parce que je me suis dit, ouais, c'est ma copine, imagine, elle pense vraiment ça qu'un jour je la trompe. Adrien, il est grave, il est grave ému. Là, je me suis dit, ah ouais, tu penses comme ça, là, ça m'a brisé. La dernière fois que j'ai fait semblant d'aimer un truc chez l'autre. Chez l'autre, ouais. C'est Mana ou c'est Adé. Moi, c'était il y a pas très longtemps, encore une fois, c'était aujourd'hui. Mana voulait vraiment que je mange de la tomate farcie. Et j'adore ça d'habitude, mais là, je n'avais pas envie, il y avait du riz au curry à côté. Rien, t'oublies pas ma tomate farcie. Hein. Elle était tellement contente que je la mange. Je me suis dit, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais rentrée du travail et tout, moi j'avais fait ça. En plus, j'avais fait la farce au poulet. J'ai fait semblant de kiffer, mais j'en avais pas envie du tout. T'as fait semblant de kiffer parce que c'était pas très bon ou parce que t'avais pas envie? Dis honnêtement. C'était bon, mais j'avais pas envie. Ok. T'en fais pas, c'était bon. J'avoue, c'était bon. Moi, la dernière fois que j'ai fait semblant d'aimer un truc chez AD. Oh, des grosses hypocrites, genre en mode oh calme. Ouais. Ouais, ouais. J'essaie de penser par exemple quand ils montent des vêtements, mais moi je le dis tout de suite quand j'aime pas. Ouais. Peut-être, il y a pas longtemps quand t'as fait des pâtes carbo, tu m'as dit t'as vu comment c'est bon. Genre c'était bon, mais c'était pas plus que les autres fois. Genre j'ai peut-être un peu exagéré. J'ai plus exagéré que Mito parce qu'elles étaient trop bonnes. Waouh, je me souviens en plus de ta réaction, t'avais fait genre en mode c'est trop bon, t'avais fait en mode. Oui, voilà, j'ai fait ça. Bah écoutez, on espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a trop plu. Moi, j'ai trop. J'ai fini mon thé, tout ça. Je bois, on discute avec vous, on déborde un peu sur les questions. On doit assumer des trucs un peu là. On doit assumer des trucs. On découvre des trucs encore sur le moment même. Ouais. Non, en vrai, c'était cool. Ce genre de vidéo, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées comme ça. La dernière fois que j'ai, tu préfères. Je préfère même des challenges ou quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si jamais vous souhaitez suivre nos prochaines vidéos, bien évidemment. Et on vous souhaite une excellente soirée. C'est parti!